Ok. Voilà. Et bonsoir à tout le monde. Et encore une fois, c'est mercredi aujourd'hui. Et nous toujours et dans ce rendez-vous pour faire un live pour apporter une pensée de la parole de Dieu. C'est un plus toujours quand on apprend des affaires. Et merci à tous ceux qui me joignent à nous. Enfin, il y a le monde entier, tout ce qui comprend créole, voilà. Je te la bienvenue dans la présence de Dieu. Quand tu causes Dieu, Dieu est présent. Mais d'abord, nous commençons par le commencement, nous disons bon Dieu, merci. Voilà, Seigneur, ce soir, merci pour ce privilège. Merci pour ce moyen de Facebook, gloire à Dieu. Que nous sommes capables d'apporter tes paroles, Seigneur, à beaucoup, 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 beaucoup de monde, Seigneur, oh Dieu. Et certainement, nous ne pouvons pas prendre quelque chose aujourd'hui. Certainement, mon louer toi. Et parce qu'il te but, Seigneur, notre Dieu, c'est qu'il nous donne la connaissance. Merci, notre Dieu, mon louer toi. Tout ce qui passera après, la gloire y revenir à tout seul. Amen. Alors, ce soir, frères et sœurs, on va prendre passage dans le livre de Chronique, deuxième Chronique, le chapitre 15 avec moi. Et mon fin de lecture, peut-être, vous voulez 8 à 9 versets ensemble. Après, nous pouvons regarder le sujet de ce soir. Alors, deuxième chronique, le chapitre 15, me lire à partir du verset premier. Peut-être que vous pouvez un peu long dans la lecture, mais il vaut le coup. Alors, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi. Asa et tout Juda et Benjamin. Asa, c'est le roi. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. C'était les temps de perdition, on lui dit. Bon. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, quand il y avait des grandes troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir quand il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaure l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda, Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre des gens d'Israël se joignit à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Bon. Ce soir, on va aborder un sujet, ce qu'il appelle Dieu avec nous. On a remarqué qui Dieu avec le roi. On a, vous faites bien le dernier verset, le verset 9 qui dit, je trouvais qui l'éternel Dieu avec lui. Je vais aborder ce sujet-là ce soir. Et dans certaines illusions qui autour de ça, alors autant aborder un certain éclairage. Et dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, qui ne va pas lire, le dernier verset, 19 et 20, Jésus-Christ dit, voici moi avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, depuis qu'il me connaît la parole de Dieu, depuis qu'il me dans le circuit chrétien, depuis un moment, tous les temps, il vient la confession de beaucoup de chrétiens. C'est vrai, Dieu est avec nous. Mais personne ne peut faire une remarque qui. Dieu avec nous là, ne pas qu'à qu'il faut granted, mais comment le dire,
les conditionnels, ça. Ici, le prophète dit, voilà, si tu abandonnes bonté, il abandonne toi, et si tu es avec lui, il n'est pas avec toi. Mais Matthieu 28 dit une affaire qui est aussi similaire. Il vous dit, voilà, et allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bon, si m'enseignez, dis-moi la parole de Dieu, à obéir à Dieu, mais c'est d'abord qu'il m'a obéi à Dieu. Il est bien clair. Ok? Et là, lui dire, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je trouvais, frères et sœurs, si vous avez envie d'éclairer ce soir, cette histoire, Dieu avec nous là, si vous avez mettre un titre, c'est God with us, Dieu avec nous. Il n'est pas comment tu dis, moi, je peux croire au livre même. Mais il est bien qu'on ait une condition derrière là. À condition que moi, mon Dieu, mon pas, mon Dieu, mon rôle, même Matthieu 28, tu dis là. Faire al baptisme ben Dimoun, au sein ben Dimoun, il est là. Et voici, moi avec toi. Alors ce soir, je suis content de nous réaliser cela. Il est bon qu'il nous confesse, lui. Mais il est bon qu'il nous fasse ce qu'il est bizarre faire pour que Dieu y avec nous. Très important. Maintenant, regarde ça. Ici, ça vient, c'est là, dans mon pays, il y a deux chroniques, là. Il dit comme ça, ben, on a trouvé qui Dieu avec lui. Ça, c'est joli. Il paraît qu'ici, Dieu avec un kiken, il est très visible, ça. Il est bien, bien visible. Nous peut trouver. Ben, de trouver qui le roi, Dieu avec le roi. Donc, on prend beaucoup d'autres versets pour montrer qui est visible, cette histoire-là. Dieu avec un kiken. Maintenant, finalement, illusion jusqu'à de nos jours, jusqu'à ce outil-là. Si ben, tout le monde qui fait un miracle, fait guérison, etc., qui nous attribue, qui tue avec eux. Il n'est pas vrai, ça. Hein? Non, non, il n'est pas vrai, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai du tout. Il est vrai qui, ben, qui fait un miracle et ben, guérison, il est vrai qui tue avec eux, avec nous, qui fait ça. Mais Matthieu 7, il brise un petit peu sa illusion-là. Il dit comme ça. Plusieurs, ça se roule là pour dire, moi, on fait un miracle, guérison, prophétie, whatever. Mais il n'y a pas qu'on. Tu vois, il casse un peu sa illusion là. Alors, nécessairement, vraiment, si on fait un miracle et guérison, qu'il est là, mon pas tribier, qu'il Dieu avec moi. Non, il n'est pas vrai. Regarde ça. Un jour là-bas, au bout de 20 ans, on va dire, au bout de 20 ans de travail, Jacob Cotli, fini dans beaucoup haut et bas, dans la vie de Jacob. Là-bas, ce beau-père, qui est ce patron, qui est ce beau-père, qui est ce tonton en même temps, affirme ça. Et Jacob, voilà. Vous ne remarquez pendant sa 20 dernières années-là, qui bon Dieu avec toi. Maintenant, pour moi, est-ce qu'il dit ça par rapport à ben, progrès? De ce travail de berger, à cause le troupeau de Laban grandit. Est-ce qu'à cause ça, vraiment, Laban peut dire ça là? Pas si sûr. On va dire, à cause Jacob, il reste côté là, le mouton, le troupeau, il grandit, il vient beaucoup plus riche, le tonton Laban, il vient beaucoup plus riche. Au bout du compte, il dit, voilà, bon, Dieu avec toi. Est-ce qu'il ça, il amène à sa conclusion là? Non, pas vraiment. Bon, il y a d'autres affaires, moi. On peut dire caractère et façon Jacob il vit, Cotli. Ah oui, c'est dans caractère et dans façon que Jacob il vit avec lui. On ne peut pas nier aussi qu'il peut-être ça a aussi contribué. C'est le progrès dans le travail de Jacob Cotli. Mais ce n'est pas l'unique raison. Ah oui, ce n'est pas l'unique raison. Parce qu'il remarquait que l'homme-là d'une sens allait à Jacob pendant 10 fois. À aucun moment, partout où Jacob monte une tension, rébellé contre lui, fait ben œuvre de la chair, on lui dire, montrer ben caractère charnel. Non, on ne voit pas trop ça. Ce qui donne moi une clé à l'idée que Jacob, il vit sa présence de Dieu là. Il vit sa histoire, est enfant de Dieu là. Tu vois? Il vit ça. Merci Jésus. Il est très important de nous comprendre ça. Bon, vous dire un peu ce soir. Pour vous capable, trouve Dieu dans la vie du monde, pour Galates 5, 22.
mais un caractère qui garde 5-20 de dire. Il donne l'amour, etc. Quand il garde 5-20, il ne va pas prouver à lui. Quand on trouve un caractère, je me dis, là, tu sais, tiens moi de ça, illusion qu'il faut des miracles guérison pour me dire bon Dieu avec un petit mot. Non, non, non. C'est plutôt caractère, c'est plutôt caractère. Merci Jésus. Qui m'a dit, Jacob, il vit sa 20 dernières années, là, que ce beau-père, et qui était un petit monde très rude. C'est un petit monde très, très bizarre, quand même. Très bizarre. Mais mon pensée, Laban, au bout du compte, il arrive à la conclusion qu'il tue avec Jacob. En partie pour le succès livré, il ne faut pas nier cela. Mais la majorité raison, c'est parce que la vie Jacob, il vit le côté. Enfin, c'est un bon Dieu visible dans la vie, un petit monde. Très visible. Très, très visible. Très important de comprendre ça. Et aujourd'hui, il y a une autre illusion qui me tient contente. Aujourd'hui, on peut détruire avec une illusion. Hein. Voilà. On peut essayer de mettre un peu un point clair, l'illusion qui nous vive. Et quand bon Dieu avec toi, te supposer au top. Te supposer peut tout gouverner, te supposer au top. Voilà. Scénario, un petit mindset. Qu'ils ont dit dans le cercle chrétien, mon glance un peu de, durant ma carrière comme chrétien, pas juste un mouvement chrétien, mais dans beaucoup centaines de milliers de chrétiens, mouvements chrétiens dans le monde, parce que le monde worldwide. Et l'idée, c'est qui, quand tu es au top, mais regarde ça, Jacob est un simple salarié, un simple salarié, un simple worker, comment on dit. Il est parti patron, lui. Patron, c'était le roi Laban. C'était le roi de la Syrie, quand même. Vous trouvez? Mais ce n'est pas à cause de ce top qui. Non, non, c'est une illusion, le nom ce soir. C'est une illusion, ben, beaucoup de croyants peuvent vivre. Croire, il faut être au top. Non, 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 en tout cas, esclave. Par exemple, Joseph, vous prenez le cas de Joseph. Il est majordome dans la case de Potiphar. Mais il s'est reconnu comme Dieu avec lui. Tu vois, il est majordome. Et il est esclave, esclave quand même, hein, il est esclave. Mais aujourd'hui, mon vieux, mes deux frères et sœurs, ou capable simplement, puis travail, moi pas trop connu quoi, et d'un travail très très bas, quoi qu'il paye aucun travail, qui bat logiquement parlant, et qui nous appelle bas dans un jargon, le monde, mauvais côté. Mais Dieu est capable avec nous. Oui. Et avoir la grande prospérité, le luxe qu'ils ont dit, nous connaissons, du monde vive. Les gens nous disent, bon, mais ça, c'est bon Dieu avec moi. Trouvez bon Dieu avec moi, mais concernant vos prospérités. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Merci Jésus. C'est une illusion. Hein. Et Dieu vous dira à Josué, comment vous êtes avec Moïse, mais pas avec toi. Regarde ça, frères et sœurs. Mais pas trop Moïse, il a une vie grand luxe. Pas trop Moïse, il vit au top, mais c'est un bouc qui passe beaucoup de misère, vous capable de dire. Vous pas parce que manque manger, boire, là, hein, cause beaucoup de souffrance à vous de vivre. Imaginez autres qui vont appeler lui. L'homme le plus patient au monde. Waouh! Ça demande une idée. Comment il a vécu cela, vie. Et Josué n'est pas ignorant de ça. Hein. Quand Moïse te connaît, comment moi avec Moïse, moi avec toi. Josué au courant que Moïse a traversé. Pendant longtemps, il connaît Moïse. Ça ne veut pas dire notre tout. Un dit, un croyant, un chrétien, un believer, un enfant de Dieu, il est capable d'envelopper de belles histoires. Parfois, il y a beaucoup d'histoires histoires qui pétaquent sur la vie. Mais, on peut dire que Dieu est toujours capable avec lui. Tu vois? Quand on dit visible qui bondit avec un petit monde, aujourd'hui, il y a notre regard, on dit, bon, mais quand on trouve ça, on trouve ça. Non, non, ce n'est pas vrai. Je veux dire, ici, j'ai trouvé qui Dieu avec le roi. Bon, lui, le roi, ça, c'est le roi. Tu vois? Mais, non. Non, mon vie montrait non. Bon, tiens, avec tout le monde qui, vraiment, mais, ce statut social, pas pour autant. Hein. Et
Il y avait quelqu'un qui. C'est pas sa condition, la vie, qui prouve ça. Non, 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 non. C'est son caractère, sa façon de vivre. Où vous trouvez ça? Où vous trouvez? Trouvez ça qui gagne là, bon. Et ça, c'est vraiment bon, j'ai avec lui. Moi, ben là, je viens de trouver, bon, j'ai avec ça. Ça, les rois, là. Trouvez, là, les visibles, ça. Merci, Jésus. Une autre histoire qui vient intéressante, c'est qui. Le verset 9 qui m'ont fait lire dans 2 Chroniques 15, il dit, ben Israël, zwen à les rois. Là, tout le monde surround, les gens viennent autour de lui. Les gens viennent autour de lui. Quand on dit avec un kiken, les frères qui prennent les gens autour de lui, prennent les gens autour de lui. David, par exemple, David, bien au départ, on trouvait un vaillant héros, un vaillant soldat qui dans ce l'entourage, dans ce l'entourage. Mais dis-moi, nous besoin à nous. Maintenant, ça aussi, mon caractère porte à ça, on dit. Aujourd'hui, quand nous guettons un ticket autour de nous, dans le monde, bon, pas politicien, mais nous trouvons clair et net, nous-mêmes Mauriciens. Et mon grand Mauricien, c'est une race qui est intéressée, on dit, dans ce pays-là, étant donné que moi, Mauricien, avec politique et que les courses. Je ne sais pas trop qu'on est qui fait ça. Mais je trouvais qu'il. Ben, tout le monde qui est autour d'un politicien, c'est pas parce qu'il joue avec sa main qui tient. Non, 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 c'est à cause de l'argent. C'est à cause de ben faveur. Maintenant, quand tout le monde autour d'un autre monde, nous pas qu'à dire conclusion, Dieu avec sa qui tient. Non, non, c'est pas vrai. Nous devons connaître pour quelle raison tout le monde avec sa tient. Mais il est aussi vrai que moi, on peut dire qui, quand Dieu avec toi, tout le monde peut autour de toi. Tout le monde peut soutenir toi. Tu peux avoir un vaillant héros. Qui pouvait tout à l'entourage comme à David. Mais il est aussi vrai qu'il y a des gens qui sont autour de eux. C'est un charisme. Hein? C'est un charisme. Il y a des gens qui sont autour de eux, de l'entourage, à cause d'un gain, à cause d'un profit. Je m'appelle ça hypocrite, moi. Hein? Je m'appelle ça hypocrite, moi. Donc, bien, bien déportant à sa défaçon, là, bien. Vous trouvez? Merci, Jésus. Vous trouvez que David, c'est extraordinaire, hein? Dès le départ, les patients convient les rois. Je me suis réalisé que quand David a eu l'onction royale, le roi, pour Samuel, et jusqu'à qu'il vienne les rois, il a 15 ans. Hein? Il a 15 ans. C'est-à-dire en 10-25, before Christ, il a anointed. Et en 10-10, before Christ, living king. Ça a eu le mot living king. Il a 15 ans là. Vous voyez? Mais bien avant qu'il y prend le trône, la Bible cause moi une tribu qui s'appelle tribu d'Isaacor. Voilà, suffit, hein. Voilà, quitte Saül. Et Saül encore le trône, encore les rois. Voilà, quitte Saül. Le tribu d'Isaacor. Vous trouvez ça dans 1 Chronique 12. Isaacor quitte Saül pour venir joindre à David. Why? Parce qu'il a trouvé bon Dieu avec lui. Ça que moi, je viens comprendre. De trouver qui bondit avec lui. L'invisible, c'est qu'un bondit avec tout le monde. De trouver. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et comment vous faites, peut dire un petit peu avant, c'est pas la richesse qui dit bondit avec moi. C'est pas la prospérité. C'est pas qui m'a éloquent. C'est pas qui m'a fait un miracle qui guérison. Non, 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 il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Et Guillaume me donne un exemple. David peut cacher dans une caverne, on le dit en anglais, vraiment broke, là. Vraiment broke. Ce maman, papa, il vient réfugié avec lui, il vient confesser à quelqu'un. Il dit, mon maman, mon papa, c'est quand je connais qui m'ont dit pour faire avec moi. C'est bizarre, hein? Il broke complètement. David dit, maman, qui encore 200 ou 400 hommes, qui sont ferrés, je dis ça de mémoire. Quoi, 400 hommes. Et David dit, moi, c'est mêmes hommes qui. Je t'ai dans une situation, ceci. Je suis broke, comment le dire. Je t'ai dans une situation bien difficile. Ben qui est un créancier, ben qui, etc. Ben qui a un problème. Ben là, Dieu est allé. 400 hommes. Il a une carrière, il n'est pas convaincu des rois. Il a une onction, oui. Mais il n'est pas convaincu des rois. Donc, vous dire qu'il, pour affirmer qu'il bon Dieu avec un kiken, jusqu'en mobilité, mon tout libre est prospéré. Il y en a. Whatever, etc., etc. Non, c'est pas même qualité qui peut faire moi affirmer ça, qui tue avec ça qui là. Non. Tu es capable avec un esclave comme Joseph. Tu es avec un qui comme
comment Jacob, qui vraiment, dans les temps-là, ce patron, ce beau-père, quoi, ce tonton, puis fait bien ta misère sans se salaire 10 fois. Tricli, ce qu'il appelle ce côté sentimental, son amoureux, comment nous dire. On peut se marier avec quelqu'un qui est content. Prends ça de notre divine. Donc, je trouvais que Dieu avec nous, mon frère, mon sœur. Premièrement, les conditionnels. Est-ce qu'il m'a fait travail qui m'a fait faire? Bah, tu vas dire, nous, oui. Voici, moi, avec toi, jusqu'à la fin du monde. Tout le monde confesse ça. Tout croyant me trouve qu'on fait ça. Mais mon vie, elle dit, mais c'est ce que je peux dire, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as qu'il peut dire? Donc, nous avons un défaut dans la vie, nous lire un verset sans être le contexte lui-même. Sans lire un ticket avant, sans lire un ticket après. Mais avant, il peut dire, allez, enseigne ben du monde, baptise-le, fais ben disciple, et là, moi, pas avec toi. Donc, voilà un petit peu mon parvis éclair, c'est un point. Et qu'est-ce qu'il a la parole de te dire, hein? Si vous trouvez ce que mon père dit n'est pas vrai, il est là, ou capable, et à pas accepter ce que vous dit, ou. Mais mon père dit, où est-ce qu'il a la parole de te dire, moi? Regarde ça. Remarque qui, un jour, ben disciple de Jean-Baptiste, pour dire ça à Jean-Baptiste. Et tout le monde parle vers Jésus. Il y a même qui dit pour dire, les visins augmentés et moi diminués. Yeah, tout le monde parle vers Jésus. Regarde ça. Ben disciple de Jean-Baptiste, il dit, voilà, tout le monde parle avec Jésus. Il y a même qui vous dit comme ça, mais les visins grandis, moi, mon visin diminué. Je connais sa séquence-là. Qui m'a envie de dire? Quand bon Dieu avec toi, tout le monde peut autour de toi. Quand bon Dieu avec toi, te pousse jamais tout seul. Te pousse jamais tout seul. Et mon contact qui est le Saint-Esprit, il contribue à ça, il contribue de façon extraordinaire. Il m'amène du monde pour prier pour toi. Ah oui, Romains 8, 28, dit nous ça. Il y a un testament en faveur ben saint. Right? Il m'amène du monde pour prier pour toi. Il m'amène du monde pour prier pour toi. C'est très intéressant. Alors, mon invité ce soir, fais du saut qui bondit avec toi. Fais du saut qui bondit avec toi. Et les pas qu'on va dire nous confesser parce qu'il devait exister. Non. Il y a ce qu'il a avant, ce qu'il a après. Les médiums, ça, les conditionnels, ça. Ce qui nous comprend, ça, frère et soeur. Il y aura une troisième vérité. Une troisième vérité. Quand bondir avec toi, avec moi, avec tout le monde qui connaît le Seigneur, qui fait mort, qu'on m'a bien bossé, hein, qu'on m'a bien bossé, et il n'y a pas une garantie qu'il ne va pas faillir. Ah oui, il n'y a pas une garantie qu'il ne va pas vous faire, comment le dire. Non, 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 non. Moïse, il fait plusieurs fois. Pourtant, Dieu dit, pareil, moi, avec Moïse, moi, pas avec toi, je suis. So what? Moïse, il fait dans beaucoup. Moi, pas pour rendre dans les détails. David aussi, il fait dans beaucoup d'histoires. Je vous prends un simple exemple, ce garçon, il y a des cansables. Il est au drone. Dans ce lac, il y en a un 6. Diamant de coup. Homme selon le cœur de Dieu, ça. Dieu avec lui. Vous voyez, vraiment, ils ont dit, finalement, il manque l'enseignement, mon là. Finalement, problème. Dieu, si lui, c'est là, take it for granted, sans même connaître qui peut arriver. Et c'est ça qui, c'est ça que mon envie, ce soir, est inspiré de Dieu, certainement, pour aborder ce sujet-là. Et combien d'histoires arrivent-nous de mal? Et bon, Dieu, ne quitte-moi. Non, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Il n'est pas garanti, nous, quand bon Dieu avec nous, nous tout le temps réussi, nous tout le temps là-haut. Et non, il n'est pas vrai. Il y en a beaucoup les autres encore une faillir. Vous trouvez? Alors, il ne faut pas se dire quand un failure, un coup de fail ou une histoire, bon, pas trop connu quoi, hein, n'importe quoi dans la vie. Pas chuter, non, mais bon fail dans une histoire. Je ne suis pas capable de café, me dire, ah Seigneur, quitte-moi, que toi, tu abandonnes moi. Non, non, il n'est pas comme ça. Vous voyez? Avoir Dieu avec lui, ça ne veut pas dire ne pas vous faire. Non, il y a même situation. Merci Jésus. Vous trouvez, me trouve, et si vous prenez l'image bien typique, bien, comment vous dire ça? Je ne suis pas trop connecté, qui m'a poussé, vous dire ça. Et Dieu dans le ventre de Marie, Jésus-Christ, bon, pardonnez-moi de vous dire ça, il paraît bizarre dans ce qu'il me dit, et Dieu dans le ventre de Marie, et je ne pas rester trouver un ensemble pour rester.
Je fais le retrouver l'ensemble parce qu'il a semblé occupé. Bon, vous comprenez qui ça se voulait, c'est une grande influence du monde, beaucoup de monde qui peut rouler l'ensemble, etc. C'est une grande histoire qui est arrivée que tout le monde perd dans cet endroit. Bon, vous comprenez qui plaint. Mais pour moi, l'image qui se sort, on a envie de faire comprendre Dieu dans le ventre de Marie et Marie rouler l'ensemble pas gagné. Vous trouvez? J'ai aussi beaucoup de croyances, j'ai une trousse de l'eau aussi mes découragements. J'ai une trousse de l'eau aussi mes abandons. Je suis capable de dire pendant ces 40 dernières années qui me connaissent le Seigneur, je connais beaucoup qui n'ont abandonné. Et abandonné, qui pas de remonter. Hein. Il y en a qui n'ont abandonné pour une remontée, mais il y en a qui pas de remonter jamais. C'est aller en haut dans le monde carrément. Il y en a une mot tout dans le monde. Il y a une mot dans le monde abandonné. Qui fait? Parce qu'il n'y a personne pour enseigner, pour dire, tu connais. À un moment donné, il croit, bon Dieu, quitte lui. Bon Dieu, pas avec lui. Bon Dieu, n'abandonne-lui. Non, bon Dieu, pas n'abandonne-toi, lui. Tu trouvais? Parce que quand bon Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faillir. Non, pour une autre histoire. Faut un mauvais Dieu d'aller là. Et Marie redonne l'ensemble, dit que Joseph redonne l'ensemble pour rester pas gagné. Je le fais le nom des morts, ça. So what? C'est pas la mer à boire, ça. Dieu te joue avec eux. Dieu dans ce ventre, quand même. Dieu dans ce ventre. Merci, Jésus. Connais mon frère aussi, on peut suivre ce qu'il appelle en anglais purpose. On n'est pas purpose. Ou n'est pas une raison. Ou pas capable d'exister pour n'en rien de la terre. Fais-moi exister de la terre. Non, pour n'en rien, non, pas pour n'en rien. Il y a un but qui fait. Mon Dieu, rappelle-moi, moi j'ai 23 ans, l'autre, il a 66. So what? Pour fulfiller certaines affaires dans la vie. C'est ce qu'il faut faire ce soir. Tu vois, si on sait la parole de Dieu, mais c'est qu'il me croit, mon calling. Hein, me croit, mon calling. La raison qui fait à mon vivre, c'est pour ça la parole de Dieu. Tu vois? Maintenant, où l'un peut pose, Dieu y avait coulé. Merci Jésus. Des fois, Dieu permet une bonne situation. Ah oui, je vous donne un simple exemple. Jésus-Christ, intentionnellement, il y a un qui sont son ami, celui qui, la nouvelle venue comme ça, celui que tu aimes est malade. Vous pouvez parler de Lazare. Dans sa phrase là, celui que tu aimes est malade. Et il reste un peu plus longtemps, il y a un niveau, et là, il y a les. Des fois, bon, Dieu laisse bien une situation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec. Ça, on a envie de faire comprendre ce soir. On a envie de casser cette illusion-là. Oui, on a envie de casser cette illusion-là. Parce qu'on entend trop beaucoup complaint de la part de mes croyants. Ah, me crois, bon Dieu, là-bas de moi. Ah, me crois, bon Dieu. Non, jamais. Non, jamais. Quand bon Dieu est avec toi, il n'est pas visible dans la richesse, dans le bien-être. Absolu, on le dit. Non, non, de, non. Tu es capable de labourer à quelque part. Tu es capable de trouver leur travail. Tu es dans l'entreprise, tu peux travailler. D'une classe très bas, peut-être, un travail. Quand tu fais un travail très bas, hein, tu travailles, c'est travail. J'aime aussi aucun travail. Moi. Dans le passé, avec mon overall, mon bogey dans mon lipier, mon dans pour lui, quoi. Grand la journée. Sans ça, mais vous aimez aucun travail. Trouvez? Et c'est ça qui est important de comprendre. Mais le verset qui me prend, il dit très bien, ben, on a trouvé qui monte avec toi. Mais il n'est pas dans sa main d'affaires qui nous connaissent aujourd'hui, Lupertan, bon, ça qui vient là, bon Dieu avec lui, il peut casser une grande histoire, il peut faire une grande. Non, pas vrai. Il n'est pas vrai, cette histoire-là. Merci Seigneur. Moi, me faire moi comprendre ce soir, frère et sœur. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et la même condition, remplir la même condition là. Et mon Dieu, et si là-bas il arrive à sa conclusion, Dieu et Suzanne, oui, il ne peut pas vous dire non. En partie à cause du succès du travail, mais dans ce caractère. Pour lui vivre 20 ans, ah, je ne pas connu là-bas. Ah oui, je ne pas connu là-bas. C'était le roi de la Syrie. Je ne pas connu. Mais pour lui vivre 20 ans, que ça qui gagne là. Moi, première fois qui. Là-bas, tu peux qu'aucun mot fiancé et le sein de Timoun. Bon, tu pourrais assez, bon, pas connu. Et nous avons combien de patience. Hein? Il Raymond il travaille encore une 7 années en cours. Travaille 7 années. Hein? Ça veut dire, Seigneur, pour Pluton, là-bas, affirme ça, Dieu avec lui, c'est caractère de Jacob. C'est caractère d'Israël. C'est son caractère. Ils ont dit. Me fier comme on trouve dans certains chrétiens, quoi qu'il me côtoie, beaucoup chrétiens, il a un caractère noble. Il a un caractère noble.
Cette mise en la souffrance, cette mise en maltraité. Mais je vous dis, cette mise en ligne, moi, je dis que en créole. Là, moi, il y a ça qui vient là, puis j'ai dû avec lui, ça. Parce que dans la logique des choses, beaucoup de moi, hein, beaucoup de moi, moi, quand moi, j'ai 20 ans, qui caractère moi, j'ai là, et comment moi, je mise en ligne dans la vie. Et bon, pas de gamin, tout le monde qui côtoie moi, gentiment, hein, mon gamin, tout le monde qui rush. Oui, très très dur. Mais Dieu fut avec moi pendant ces 40 dernières années. Mon grand bon Dieu, ce qu'il est avec moi. Moi, je dis qui, ceux qui côtoient moi, côtoient moi. Et mon papa, blablabla. Mais Dieu est avec moi. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Oui, les conditions, ça. Maintenant, une autre histoire aussi qui est vraie, qui me fait content. Vu mon père, ce sujet-là, mon père, vu qu'il y a un peu de paramètres autour. Un paramètre autour. Vous expliquez ce sujet-là bien dans sa profondeur et une compréhension assez bien ouverte. Il ne faut pas nous donner une illusion, right? Pas une illusion comme me croise au tien dans cette illusion-là. Nous avons une histoire, nous disons, bon Dieu avec. Non, ce n'est pas vrai. Bon, laissez-moi continuer avec ça. Bon Dieu avec moi, avec vous, avec nous tous. Les peines affaires à garantir, la libre rester longtemps comme ça. Hein? Qui veut dire tous les temps, éternellement. Oui, livré, les causes éternellement, moi avec toi, tout le temps, jusqu'à la fin du monde, livré. Mais ça dépend de moi. Vous trouvez qu'il y a hasard, à la fin de ce courriel, il m'a tourné. Hein? Oui, mais soit. Là, ben, on a trouvé mon Dieu avec lui. Mais qu'est-ce que la fin? La fin, hasard, bien triste. Bien triste. On va prendre la même histoire. Par exemple, Salomon. Je lis les pas, mon Dieu avec lui. Ben construction qu'il peut faire, extra merveilleux. Ben poème, ben proverbe qu'il vient écrire, incomparable. Ben, c'est plus ça ce qu'il lit. Mais qu'est-ce que la fin? Donc là aussi, notre illusion que m'a envie casser ce soir. Oui, bon Dieu avec vous, mais tout dépend. Des manières qui tout. Ah oui, sans sonne comme ça. Sans sonne comme ça, Dieu qui te lit. Trouvez? Oui, après, Dieu ne retourne, dépend de l'attitude, vous trouvez. Mais c'est moi, j'ai envie de dire qu'il y a peine d'affaire éternelle, ça. On lui dit, merci Seigneur, merci Jésus. À ça, qu'on mène histoire, après. Saül, par exemple. Au départ, je lis, hein, il prophétisait, il tout mène la guerre qui dit en gaz, même il sortit victorieux. Il y a un super guerrier, hein, Saül, il y a un super guerrier. Beaucoup mènent je la guerre, il gagne. Beaucoup ben joli la guerre, moi pas pourquoi pas gagner les temps, ou des arts avancés dans les temps là. Et l'ingé ben super joli la guerre, mais la fin. La fin, il coûte sorcier, la fin, il peut suicider lui. Et c'est ce Pugliao qui, pas trop brandi, tu es avec moi. Et est-ce qu'il a dit, du monde bon Dieu qui dit, ouais, pourquoi pas. Moi, l'église dans le monde entier, moi. L'église dans le monde entier. Dis-moi, mais comment on l'église dans le monde entier? Mais aujourd'hui, il y a moyen. Mon cas, l'église au Canada, d'ailleurs. Quand je finis, quitte mon cas, l'église au Canada, là. Qui m'habitera à guetter un petit peu au Canada, ce qui passait. Et ce qui, ben, tu vois, bon Dieu, oui, Dieu. Oui, il est vrai. Il y en a qui me connaissent dans le monde. Il y en a beaucoup qui kennent, pas une qui kennent, beaucoup qui kennent encore. Moi, l'église aux États-Unis, moi, l'église en Afrique du Sud. Moi, l'église, elle fait partout. Tous les jours, moi, l'église, partout. Moi, j'écoute beaucoup qui kennent causer. Mais vous connaissez beaucoup qui kennent mon Dieu qui se. Beaucoup qui kennent mon Dieu qui se. C'est vrai? Je peux opérer dans une propre, la force, quand même. Ça, c'est très important de comprendre ça. Merci, Jésus. Et maintenant, on va utiliser des trois moyens pour, justement, garder cette relation avec Dieu. Il y a trois moyens bien simples hein, que vous connaissez. Et c'est l'humilité. L'humilité, en lui-même, il y a un sujet. L'humilité, il y a une affaire bien visible, ça. Hein, quand dit humble. Le contraire, c'est dit arrogant. Le contraire, c'est dit arrogant. Il y a arrogant pour beaucoup d'histoires, pour beaucoup de raisons qui poussent à l'arrogance. Hein, mais maintenant, le contraire, c'est dit humble. Et l'humilité, elle est bien visible, ça. Hein? Au côtoyen du monde, vous ne connaissez pas l'homme. Au côtoyen du monde, vous ne connaissez pas l'homme. Vous voyez? L'humilité, c'est un bon moyen. Vous pouvez me donner un exemple. Hein?
Enzo Moutou, bon Dieu, refuse Moïse pour voyage ensemble. Moïse, tu connais, tu peux dire nous aller, mais viens ensemble à nous. Je dis non. Va venir. Moi, je dis, pour qui faire? Mon petit lien, mon gâté, mon trouvé, j'aime ça. Zot, en ce moment, l'écouré de là, bien bonné, mon bizarre fini, zot. Qui parle de là? L'écouré, c'est quoi? C'est bien qu'il y a l'arrogant. L'écouré, c'est quoi? Qui veut dire l'écouré? Tu pourrais dire l'écouré, moi. Tu pourrais. Tu pas arrogant plus tard. Tu pourrais dire l'humilité plus tard. Il y a un mot où vous allez sur toi. Bon, je connais après Moïse, etc. Je connais un peu l'histoire. Mais mon envie de ça. Un manque d'humilité. Ou pour casser sa relation avec Dieu. Tu as envie de ça avec vous. Mais quand paye dans l'humilité, quand on saute barrière. Vous trouvez? Je vais donner un exemple au Saül. Samuel fait moi comprendre ça. Un jour, Dieu dit à Samuel, et mon fatigueur Saül, à loin David. Qui Samuel dit à mon Dieu? Seigneur. Samogla, Samuel, Saül, il faut tuer moi, papa. Il faut tuer moi. Ça le donne l'idée claire qu'a-t-il les rois de qu'a-t-il les rois de contre l'humilité, là. Tiens donc, il faut tuer moi, papa. S'il connaît moi, contre David, moi, ouais, le roi, mais il faut tuer moi. Montre le règne de Saül. Tu vois? L'arrogance. T'as oué dans l'arrogance. Non, Dieu parle avec vous, là. Non, crois-moi, Dieu parle avec vous, là. L'arrogance, Dieu parle avec vous, là. Dieu ne quitte tout longtemps là. Merci Seigneur. Surtout l'arrogance là où la vie. Merci Jésus. Et même Samuel vous dit, quand tu es petit dans ton lycée, une ben, grande affaire est arrivée. C'est-à-dire, c'était là ton petit dans ton lycée, ton grand dans ton lycée, tu vois. Quand vous une grande au lycée, bon Dieu, pas avec vous. Ou une grande au lycée. Ou trop grand. Ou trop, trop grand même, tu vois. Merci Seigneur. Et il y a ce qu'a pas respecté, comment on appelle ça, l'office du prophète. Il refait le travail du prophète, tout dit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous voyez, dans la relation entre Dieu, avec moi, avec vous, avec n'importe qui, avec l'homme, c'est pas moi qui casserai là. C'est pas bon Dieu qui casserai là. C'est moi. Ouais, c'est moi. C'est nous qui casserai là. C'est nous qui vivons dans l'arrogance, c'est nous qui sommes un peu moules, un peu maillères. Et la relation l'a cassée. Vous trouvez? Mais quand bon Dieu, quand il est visible, ça. Merci Jésus. Vous voyez qui me contente dans la relation de Dieu à l'homme? Et il y a une séquence très très forte qui me commenter maintenant. Un jour, Jacob avec Dieu, je paie une lutte. Je comprends ça très bien. De la lutte. Bon, quand interprète ça la lutte là dans beaucoup de façons, mais oui, dans l'esprit bon Dieu comme moi, ou quand interprète lui ou même. Et à un moment donné, bon Dieu, Jacob, laisse-moi aller. Ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, je ne pas encore comprendre ça. Et tout le temps, mon copain dit, Seigneur, laisse-moi comprendre ça. Qui a dit ça, relation entière? Qui bon Dieu demande Jacob la permission pour aller. De partir, moi, nous dire. Et Jacob dit non, mon parler, toi, aller. Jacob a insisté. Tant qu'il t'a pas béni, moi, tant que t'as pas sans certaines affaires, moi, laisse-toi aller. Vous trouvez ça là? Dieu demande Jacob la permission de partir et Jacob veut pas. Il tenait à Dieu. Ça m'appelle ça une relation. Ça m'appelle ça quelqu'un qui tue avec lui. Tu vois? Vous voyez, c'est pas bon Dieu qui casse relation, c'est nous. C'est nous qui casse relation. Alors l'humilité, c'est un facteur très important. Vous pouvez donner un facteur qui est très important. C'est l'humilité. Quand on commence tout l'arrogance d'un petit monde, quand on commence tout lit, un chrétien, on peut causer. À l'église dans le monde entier, vous trouvez. À l'église dans le monde entier. Vous trouvez même qui ken, même qui. L'arrogance présente. Ouais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Deuxième affaire qui est très importante, c'est la foi. Merci Jésus. Même qui ce beau-père, vous de Jacob là, même qui ce beau-père, une tricherie, le mariage, le salaire, le tas d'histoires, et il y en a confiance dans mon Dieu. Les continue rester. Il se qu'à révolter, faire un coup d'État, whatever, tout à fait, ce non, il restait. C'est la foi. Même David, hein. David, il dit, moi, je en 10-25, il y a un roi. En 10-10, il y a les rois. Et tu as fait un coup d'état, les rois, là.
Et d'ailleurs, il y a un bon guerrier. Il a fait un coup d'état au roi là. Non, il n'est pas le fier. Il trust God. Il trust God. Quand on trouve un petit monde, il n'est pas capable de faire confiance à Dieu. Malgré ben souci, ben dilemme de la vie. Je m'appelle ça bon Dieu avec lui. Vous trouvez? Ma vision que attribuer qui bon Dieu qu'un démon, c'est pas qu'on a beaucoup miracle ou guérison. Non, 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 c'est pas vrai. Quoi qu'il y ait en partie vrai. Mais en partie ici, Matthieu 7 casse sa illusion là. Hein. Moi, je fais dire au départ, Matthieu 7 casse sa illusion là. Mais quand démon il a la foi, qui peut manger au lit, ben des histoires. Beaucoup même chrétiens qui peut struggle ce soir. Il y a beaucoup de chrétiens dans le nord, dans sa pays, dans le point Maurice. Ma petite côte, le monde, je suis tellement familier avec le monde, worldwide, worldwide. Mais ce soir, c'est le cause de Maurice. Il y a même chrétien qui struggle dans Maurice. Il y a même chrétien qui, justement, se donne des de maladies là en ce moment. Se donne des histoires de finances en ce moment. Se donne des histoires de compliqués dans la famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Se tenir bon dans la foi. Écoute votre confession. Ah, vous dire ça pour la semaine, tu vois. Je m'appelle Samadhi, on a tué avec ça. La foi. L'humilité, la foi. Et je trouvais qu'il hasard, étant il prend le trône, très jeune, il coupe tout ce qu'appelle péché. Il coupe tout ce qu'appelle péché. Oui. Lire la vie d'Azaz, vous trouvez. On va pas rendre le même détail. Il coupe tout ce qu'appelle péché. Il renverse tout ce qui vous a renversé. Enfin, moi, ça, c'est une autre étape très importante pour qu'il monte avec vous. Zodi, malheureusement, on entend beaucoup preachers, Zodi, de par le monde, toujours, style, qui cause l'eau. Bon, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Arrête caché. Non. Ce qui, bon, Dieu appelle le péché, depuis longtemps là, il y a encore qui appelle le péché, Zodi, il est tout le temps, il n'est pas sans zélo là. Il n'est pas sans zélo là. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, bon, Dieu, il y a un seul trend. Ce qui appelle le PC là-bas, qui appelle le PC là, Zodi, qui appelle le PC là pour tout le temps. Il pourrait être un PC. On va vous énumérer un PC. Mais le péché, c'est le moyen, mon Dieu, pour les sous ça, pas abandonner. Le péché, c'est le moyen, mon Dieu, pour abandonner. Il faut essayer important de comprendre ça. Pas essayer de convaincre ou même, ouais, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Non, c'est pas un zoué ça. Non, merci Jésus. Excuse-moi, il n'est pas un Jésus, ça. Merci Jésus. La grâce de Dieu n'a qu'à se lui faire. N'a qu'à se lui faire. Le Dieu qu'on a de la grâce, ne pas baptiser là dans une grande profondeur. Mais, me convaincu qu'il bon Dieu appelle nous pour vivre dans la sainteté. D'ailleurs, la Bible dit comme ça, sans la sanctification, personne ne va trop bon Dieu. Donc, ne pas croire qu'il y a un autre verset, il faut contredire ça. La Bible n'a pas qu'à contredire lui-même. Right. Vous pouvez prendre ce verset pour terminer quand même, pour terminer, vous disiez à moins 15 ans. Vous trouvez? Alors, mon frère, c'est à qui nous guetter ce soir? Vous faites une récap. Maintenant, affirmer que Dieu est avec Asa. Vous nous dites en 50 ans que Dieu est avec Asa. Vous faites commencer au Matthieu 28 qui dit comme ça, oui, Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais pas vraiment, comment nous pense là? Lire Matthieu 28, très bien, il vous dire, quand tu fais tel travail, moi, avec toi. Les conditionnels, ces histoires-là. Les conditionnels, vous trouvez? C'est très important de comprendre ça. Et on a trouvé aussi qu'il passe à une grande prospérité, quand même, nous bien riche. Non, vous avez un riche, moi pas riche, moi. Moi pas riche, c'est l'action, pas qu'avancer. Vous trouvez? Mais tout ce qui m'a bizarre, mon Dieu, donne-moi. Vous trouvez? C'est pas quand il y a une grande prospérité, quand on a, bon, mon Dieu, permettez-moi, on a certaines affaires, et basiques qui m'ont bizarre, moi, il en lit, merci Seigneur. Moi pas d'un grand luxe, moi. Mais moi, crois, bon Dieu avec moi. Bon Dieu avec moi parce qu'il a un caractère qui est vrai même sensé. Beaucoup de moi, quand je suis encore dans la religion, beaucoup de moi très très bien, beaucoup de moi, personne ne connaît moi plus que moi. Beaucoup de moi qui m'a été dans la religion. Et beaucoup de moi qui m'a été aussi en tant qu'enfant de Dieu. Vous trouvez? Mon frère, ce soir, mon père est là. Ce soir, mon père est là. Et je laisse ça là où l'équerre, qui Dieu est avec nous. Mais les conditionnels. Et m'envie de vous dire merci, écoute-moi. Et au revoir.